bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Marcus Rashford au Barça. Allez, c'est parti. Alors, avant de faire cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu si la vidéo te plaît. Et surtout, t'abonner à la chaîne Rashford, la petite cloche de notification. Voilà, c'est pour me faire plaisir. Alors aussi, avant de faire cette vidéo est sponsorisée par MyoGo. C'est un site de vente de maillots de foot. Et dans ce site, vous pouvez trouver n'importe quel maillot que vous voulez, que ce soit un maillot du Real, du PSG, du Manchester United, du Barça, tout ça. Et en ce moment, dans le site, vous voyez qu'il y a des maillots fuités. Donc, c'est assez incroyable de leur part de faire ça. Donc, c'est incroyable. Vous voyez à l'écran, je vous mets de toute façon. Donc voilà, vous avez vu le futur maillot du Barça avec Spotify, tout ça. Ils ont tout dans leur site. Vous pouvez aussi trouver des survêtements. Vous pouvez bénéficier de moins 15% avec mon code UMZO, O-U-M-Z-O. Et tous les liens de site sont dans la description. Alors, aujourd'hui, on va parler de Marcus Rashford au Barça. Alors, Rashford, ça rapprocherait bien évidemment du départ de Manchester United. Alors, en ce moment, si vous voyez Manchester United, il joue pas trop. Il n'est pas titulaire du Mans. Donc voilà, il est mécontent de sa situation avec Ralf Rangnick qui ne devra pas partir normalement jusqu'à la fin de la saison. En ce moment, United est assez mauvais. Ils sont très décevants. On l'a vu en Ligue des Champions, tout ça. Même ça, avec un but de Elanga, tout ça, face à l'Atlético, ils ont perdu 4-0 la semaine passée, 4-1 pardon, la semaine passée face à Manchester City avec un doublé de Kevin De Bruyne et un doublé de Riyad Mahrez, un match assez catastrophique auquel Marcus Rashford n'arrive pas participer en tant que titulaire. Il est rentré après, donc voilà, selon sous Ralf Rangnick, donc il est sous remplaçant et ça lui plaît pas. Il envisage de quitter Manchester United dès cet été et Barça est bien positionné pour le récupérer parce que Barça est valide Rashford en tant que remplaçant de Erling Haaland parce que Erling Haaland, selon la presse anglaise aujourd'hui, je vous mets à l'écran, voilà, actualité Barça c'est très fiable, ne vous inquiétez pas. Ils ont mis que City a trouvé un accord avec Haaland qui était la priorité du Barça. Et si le Barça n'arrive pas à le prendre, l'offensive, et il revient à Marcus Rashford. Parce que Rashford, il intéresse le Barça. Et ça lui déplairait pas de rejoindre le Barça. C'est un grand qui est en train de revenir parmi les grands parce qu'ils sont en reconstruction. Encore une fois, la reconstruction n'est pas encore terminée. Vous voyez, en Ligue Europa, ils ont fait 0-0 face à Galatasaray. Il y a un manque d'automatisme dans l'équipe, mais si tout normalement est carré, normalement l'équipe ça sera une bombe. Donc voilà, Marcus Rashford au centre de l'équipe la saison prochaine. Vous me dites que vous en pensez quoi, dites moi votre avis en commentaire. Moi je valide fort l'arrivée de Rashford. Donc voilà, voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur Marcus Rashford. Je t'invite comme d'habitude à lâcher ton meilleur pouce bleu si la vidéo t'a plu et surtout de t'abonner à la chaîne, la petite cloche de notification. Voilà, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.